Hello beautiful people, attendez, je finis de m'apprêter, je vais vous déposer là. Et aujourd'hui c'est le samedi 7 octobre, voilà. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un de mes amis, mais avant ça, je compte aller au Pullman, voilà, pour un massage. Comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, j'ai gagné un massage au Pullman. Du coup, je me prépare pour y aller là. J'ai mis ce pantalon là, voilà. C'est, normalement, c'est un ensemble avec un haut genre boubou façon. Je sais pas où j'ai mis le haut. Du coup, je porte ça comme ça. J'ai mis mon crop top de chez Zara. Et j'ai mis des sandales de Primark. Avec ça, j'ai mon sac de chez Tiffany. Voilà. Tiffany, vous pouvez les trouver sur Instagram. C'est une marque sénégalaise. Et voilà, ça fait un an, plus d'un an que j'ai ce sac là maintenant. Donc, ce que je veux faire, c'est mettre mon gloss de Fenty, le lip balm. C'est comment ça s'appelle, non? J'ai oublié le nom. Il fait chaud, il fait trop chaud, je transpire. Je transpire de fou malade. Alors, comme lunette, j'ai deux options. J'ai soit ces lunettes-là de China Mall. Je crois qu'ils ont la lumière bleue. J'ai cherché des lunettes comme ça pendant tellement longtemps. Ou soit mes lunettes que j'adore et que je porte tout le temps. Celle-là. Alors, ça c'est mon outfit. Hello papi Miki Baza. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on se voit plus jamais. Je pourrais t'afficher. Alors, les amis, je me suis rendue du côté de Pullman au plateau pour une séance de spa. Mais vu que j'avais pas pris de rendez-vous, il a fallu que j'attende un peu. Du coup, juste après, je me suis rendue à un restaurant italien qui s'appelle Mama Pizza. C'est juste en face de la Société Générale au niveau du plateau, sur la rue Carnot, sauf erreur. Hein. Et franchement, pour moi, ils font les meilleures pizzas du Dakar. Personnellement, voilà. Donc, si vous voulez goûter des pizzas made in Italia, je recommande fortement. Je dois me changer. Ils m'ont mis la serviette et tout ce qu'il faut. Voilà. Yeah, yeah. It's nice. J'ai pas envie de laisser les pantoufles ici par contre. I feel so confined. C'est le vent.
n'y a rien à dire, les amis. C'était magnifique. C'était génial. Marianne approuve. Ok, let's go now. J'ai même la voix qui vient de se réveiller là. On sent que je suis bien reposée. Yeah. Je n'ai que le sourire. Que le sourire. It's good. Life is good, isn't it? Yeah, les amis, allons dire joyeux anniversaire à Tierno. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, je vais passer à la maison récupérer son cadeau. Et puis, après ça, on part chez lui, ok? Let's go! Alors les amis, là on est à la semaine suivante et j'ai vraiment voulu vous montrer en détail comment je me faisais les ongles à la maison. Et c'est notamment le gainage que je fais sur mes ongles naturels, c'est-à-dire la pose du gel sur mes ongles naturels. Donc je vais vous montrer en détail comment je fais mes ongles à la maison, voilà. Et donc là, je vais procéder à l'application du calcium de chez Flormaz sur mes ongles. Et juste après ça, je vais utiliser de l'alcool pour éviter que mes ongles ne glissent et que le gel puisse bien tenir. Et je vais procéder à l'application du gel, après sécher avec ma lampe UV. Franchement, je pense que l'action se décrit toute seule. Je vais véritablement vous laisser regarder. Vous allez comprendre au fur et à mesure comment est-ce que je me fais les ongles à la maison. C'est vraiment un processus des plus simples. Il n'y a rien de compliqué. Je vous laisse regarder.
people, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, n'est-ce pas? Oh oui, ça fait un bail. J'ai disparu des réseaux sociaux. J'ai disparu de YouTube, pour être plus exact. Parce que, bof, life was happening to me. Et voilà, je pense qu'après, j'aurai le temps de faire une vidéo où je vais véritablement parler avec vous au fait de what's going on, basically. Voilà. Cause life is lifing, ok? Aujourd'hui, j'ai pris ma caméra parce que je vais faire une séance de shoot, voilà. Mais c'est pas pour moi-même. Je vais shooter pour quelqu'un, voilà. Donc, venez avec moi, partager ma journée et tout. Là, je suis en full thrifted outfit. Faut que je vous montre. Attendez. Je sais pas si vous pouvez voir bien mon outfit. Mais ça, c'est mon outfit du jour. Ce que vous voyez là, c'est le micro. Hein. C'est mon outfit du jour. Attendez, je vous place bien. Voilà. C'est mon outfit du jour. Everything I'm wearing is thrifted. C'est-à-dire, à part ma montre de chez Ralam, tout ce que j'ai sur moi, c'est de la fripe, les amis. Voilà. J'ai cette jolie petite robe là, que j'adore. Et ce sac là, qui est vraiment aesthetically pleasing. Les amis, franchement, une très très bonne qualité. Et le sac est tout simplement magnifique. Et je vous assure, les amis, c'est de la friperie. Les amis, je vous invite à choper friperie. Je vous dis, choper friperie. Comment choper friperie? Vous êtes un sapé. Deux, vous sauvez l'environnement. Trois, vous sauvez votre poche. Ok? Surtout en ce temps de crise. La friperie, c'est la solution. N'hésitez pas à checker ma page SOB où je vends des articles de friperie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter aussi. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, là, je pars là à Yoff. Je suis en train de transpirer, mais de malade. Let's go. On va faire le shooting. Et ce soir, j'ai un petit truc avec mes amis à la maison. On va faire Girls Night. On va faire des pizzas à la poêle. On va vraiment passer un bon temps entre amis. Voilà, c'est ce que j'ai prévu. Parce que ces temps-ci, là, franchement. I've been going through a lot. Let's just say it like that. I've been going through a lot. So guys, let's go. I'ma hit this drink up like it's my last. Last, last. Light 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 up like it's my last. Last, last. Pass up like it's my last. Last, last. I'ma swear I'ma do it like I never. On vient juste de terminer le shoot. Voilà, c'est mon make-up. Même si j'ai transpiré, je viens juste de finir de manger là. Et je vais juste me changer, aller prendre un verre avec un ami. On part à Six Plaza. Et juste après ça, je vais rentrer à la maison. Mais les amis, cet appartement est tout simplement magnifique. C'est un shooting privé. Donc, du coup, je ne peux pas partager avec vous, on va dire, un contenu plus en détail. Mais je vous. Il y a tellement de bruit, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais je vais vous montrer la vue. Elle est à couper le souffle. Si vous voyez bien, on voit la mer. C'est magnifique. Et là, c'est la route. Ils sont en train de vous gagner. Non, ils sont pas en train de vous gagner. Rien n'est trop nul. Ouais.
allons se faire les cheveux au niveau de Air Spa. Voilà, c'est un salon de coiffure situé à Sacré-Cœur. Let's go. People, j'espère que vous allez bien. Je sais que je ressemble à n'importe quoi. Je suis fatiguée et tout. Malheureusement, mon site presse d'avant-hier n'a pas trop pris parce que mes cheveux ont commencé à friser encore. Et c'est dommage, voilà. En temps, là, je viens de rentrer du travail. Aujourd'hui, c'est le vendredi, by the way. Je suis crevée. J'ai une journée... Ben dingue demain. J'ai réussi à mon code. Du coup, je dois passer au niveau du 6S pour faire un... C'est pour faire un quoi? J'ai oublié ce que je dois faire, mais je dois passer au niveau du 6S demain matin. Après ça, j'ai d'autres rendez-vous. Donc, j'ai une journée vraiment, vraiment chargée demain. Et je compte filmer une vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est noir, c'est sombre. Pourquoi? Parce que je vous l'avais dit, je ne sais plus à quel moment. Mais j'ai ma ring light qui m'a lâché. Du coup, il a fallu que j'achète une ring light aujourd'hui. Et je voulais faire le unboxing avec vous. J'ai acheté une plus grande ring light. J'espère qu'on aura des vidéos de meilleure qualité avec luminosité vraiment à la hauteur de vos attentes. Voilà. Donc, on va unboxer ça. Je l'ai acheté un peu plus cher que d'habitude. Franchement, j'ai le seum quand je pense au prix. Mais je trouve que niveau qualité, quand même, c'est quelque chose. Voilà. Je l'ai acheté à 25 000. Aïe, ouais. Quand je pense au prix. Quand je dis le prix là, fort là même, j'ai mal à la tête. Ça vient dans ce sac là, comme ça. Il y avait un carton et tout. Mais vu que je me déplaçais avec le carton, ce n'était pas évident. Du coup, j'ai seulement pris le sac. Voilà. Et c'est plus facile à ranger comme ça. Du coup, quand vous ouvrez... Vous avez ça. Ça, c'est, je crois que c'est le truc pour placer la ring light et tout. Et la ring light est comme ça. Voilà. Je vais la placer. Je pense que ça prend... Il y a plusieurs câbles et tout. Il y a le bouton on and off. Je pense que vous pouvez augmenter et diminuer l'intensité de la lumière. C'est vraiment, on va dire, un upgrade par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est le chargeur. Voilà. Voili, voilou. Comme ça, que ça se présente. Je dois brancher ça là, comme ça. Mais j'ai un peu peur parce que je pense que je me suis fait avoir par rapport à l'emplacement de ce truc là. Parce que je ne vois pas la tête au fait. Femme, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que... I've been scammed.
J'ai l'impression qu'on m'a volé. D'abord, après je vais vous montrer la ring light tout à l'heure. Je n'ai eu que la tête et pas au fait le trépied. Pourtant, j'ai pas voulu commander en ligne parce que je voulais être sûre de ce que j'achetais. Et quand je suis allée à la boutique, au fait, moi, mon inquiétude, c'était véritablement de voir la ring light, voir si ça s'allumait bien, si c'était vraiment large et tout, parce que je voulais quelque chose qui allait de super bonne qualité. Et quand j'étais dans le magasin, quand le monsieur allumait devant moi, franchement, ça avait éclairé partout. C'était véritablement, c'était plaisant au fait à voir, voilà. Et donc, j'ai pris ça. Et dans ma tête, ça venait directement avec le trépied. Parce qu'à chaque fois que j'achetais une ring light dans ma vie, il y avait toujours le trépied. Je viens, j'ouvre, je regarde, je ne vois pas le trépied. Je n'ai pas eu l'idée de demander le trépied parce que pour moi, c'est normal d'avoir le trépied dans le truc, au fait. Et franchement, je suis dépitée de ma vie. Et en plus, j'ai l'impression que quand je suis loin, l'image est super noire. Je ne sais pas, vous allez me dire. Pourtant, il y a beaucoup de lumière, ça me fait presque mal aux yeux. Mais j'ai l'impression que l'image est noire. Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais franchement, je suis dépitée. J'ai l'impression que j'ai pas utilisé mes neurones aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression d'être qu'on m'a volé au fait. C'est pas. It's not giving. It's not giving what I wanted it to give. It's not giving. And I spend my hard-earned money on this. J'ai dépensé mon argent, je suis pas satisfaite. Franchement, j'ai le seum. J'ai le seum. Mais bear with me, c'est ce qu'on va utiliser parce que à moins que je puisse aller changer, je ne vais pas investir encore dans quelque chose comme ça pour YouTube. Because I'm not getting my money yet. So. Non mais franchement les amis, attendez, je vous montre, je suis dépitée. En fait, voici la ring light. Ça rend tout l'espace aux alentours noir parce que c'est vraiment, la luminosité est vraiment très forte. Et si vous voyez bien, ça c'est mon ancien trépied qui s'est même amoché là, ça s'est gâté au fait. Donc j'étais obligée de mettre quelque chose pour pouvoir attacher là. Et donc j'étais obligée de mettre la ring light sur mon ancien trépied. Et franchement, c'est pas cute. I wasted my money and it's not giving. It's not giving what I wanted to give. Il y a 3 mini trépieds, si je peux le dire ainsi. En tout cas, les trucs pour attraper le téléphone. Vous pouvez mettre votre téléphone là. Ou là, et là normalement c'est pour le micro. Ils ont mis un dessin du micro là, si vous regardez bien, c'est pour mettre votre micro et vous pouvez mettre le téléphone ou quoi que ce soit là. Il y a un port USB derrière, mais là je sais pas, je suis un peu déçue. Hello peeps, aujourd'hui c'est le dimanche, c'est le 15e. Franchement, c'est pas important. Aujourd'hui c'est dimanche et j'étais en train de monter ma vidéo. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait une conclusion. Du coup, je vais faire ma conclusion là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vlog là même? Voilà, par rapport à la ring light. Bon, là, j'ai filmé une vidéo ce matin et ça allait quand même. Voilà, donc elle n'est pas aussi nulle que ce que je pensais. Par contre, je vais aller demain au niveau du magasin pour pouvoir essayer de récupérer le trépied. Et puis, je suis allée, comme je vous avais dit, là, pour l'enrôlement du permis. Et j'ai vlogué ça dans un autre vlog, donc vous allez voir tout le détail par rapport à l'enrôlement pour le permis et tout ça dans le prochain vlog. Et ce matin, je suis allée à l'église, j'ai fait une vidéo d'abord, après je suis allée à l'église, après je suis rentrée à la maison. Je devais aller faire un brunch, mais je suis partie à Lulu Café et c'était fermé. Je ne savais pas qu'ils étaient fermés au fait le dimanche. Donc c'est ça, après là je suis venue à la maison, j'ai commencé à avoir mal au ventre, donc j'étais couchée là tout le temps. J'ai commencé à finaliser le vlog qui sera posté aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'ai pas fait de conclusion pour ce vlog. Et donc j'espère que vous avez apprécié ce vlog là. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de temps où j'étais pas présente sur les réseaux, notamment sur YouTube, parce qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, pour me reposer et tout ça. J'étais super fatiguée, j'avais trop de trucs qui allaient en même temps. Il fallait que je prenne du recul pour pouvoir mieux sauter, voilà. Et donc là, je suis de retour. Vous aurez des vidéos chaque semaine, comme d'habitude, tous les dimanches. Et j'essaie vraiment de tout faire pour pouvoir vous donner du contenu de qualité. Et pour cela, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager et me laisser les commentaires dans la barre de commentaires. Ça montre à YouTube au fait que vous êtes intéressé par mes vlogs, par mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser véritablement des questions, des suggestions.
En tout cas, interagissez avec moi dans la barre de commentaires. C'est super important, les amis. C'est vraiment, vraiment important. Et donc, on va se voir la prochaine fois. Donc, d'ici là, portez-vous bien, n'est-ce pas? Bye bye. Take care.